Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus à ce premier jeudi d'Acrimed de l'année qui a exceptionnellement lieu un mardi et qui va être consacré au traitement médiatique de la révolution russe de 1917 et de son centième anniversaire. Donc, l'association Acrimed, donc pour Action Critique Média, qui est née à la suite du mouvement social de 1995, est un observatoire des médias. Donc, je vous invite, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations aussi, à aller à la table de presse qui se trouve dans l'entrée. Et donc, cette association s'est déjà penchée à plusieurs reprises sur la place de l'histoire dans les médias dominants, de la présentation de l'histoire comme le récit distrayant des fastes de la monarchie française, avec par exemple les secrets d'histoire de Stéphane Bern, qui a récemment été promu Monsieur Patrimoine par le président de la République, à ces instrumentalisations politiques diverses, ou à la promotion des historiens de garde, pour reprendre le titre d'un livre consacré aux tenants d'une histoire identitaire, de Laurent Deutsch à Patrick Buisson, qui sont omniprésents dans le champ médiatique. Un jeudi d'Acrimed avait d'ailleurs été organisé en décembre 2013 sur ces questions. Et alors que le centième anniversaire de 1917 en Russie s'achève, il nous a semblé particulièrement intéressant de revenir sur la médiatisation de cet épisode historique majeur, en la comparant avec les différentes lectures que cet épisode a suscité au cours du siècle qui s'est écoulé. Donc, Éric Honnoble, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation, est enseignant à l'Université de Genève. Il travaille depuis 1995 sur le processus révolutionnaire dans l'ancien empire russe. Il est l'auteur de l'ouvrage « Le communisme tout de suite, le mouvement des communes en Ukraine soviétique 1919-1920 », qui a été publié aux éditions Les Nuits Rouges en 2008 et qui est tiré de sa thèse. Ouvrage dans lequel il tente d'approcher, par une histoire au ras du sol, les attitudes des acteurs dans toute leur complexité, leur plasticité, loin donc des lectures surplombantes et téléologiques de la révolution russe ou du communisme en général. En 2016, il a également publié aux éditions de La Fabrique un autre livre, « La révolution russe, une histoire française ». Et dans ce livre, il étudie un vaste corpus d'ouvrages politiques, historiques, romanesques, de films, d'articles de presse, sur les presque 100 ans alors écoulés entre la révolution russe et la réaction du dit livre, pour cerner la réception de cet événement en France, ou plutôt l'évolution de cette réception dans le temps long. Il fait le constat d'un retournement, de l'engouement au dénigrement et à l'effacement, en particulier depuis la fin de l'URSS en 1991, La parution polémique du livre noir du communisme en 1997 symbolise bien ce retournement en faisant de l'histoire de la révolution russe l'histoire d'un crime. Cette nouvelle vision hégémonique n'est pas sans conséquences politiques, bien sûr. En effet, comme le déclarait récemment Éric Hazan, donc l'éditeur de ce livre, ce discours récurrent que nous avons laissé devenir dominant, un discours qui dit « les révolutions se terminent toujours en désastre, la révolution c'est une catastrophe, par conséquent il vaut mieux rester tranquille », c'est un des discours les plus anesthésiants. De plus, ce statut de repoussoir masque la richesse de ce moment révolutionnaire, et l'ouvrage d'Éric Honnoble se veut également un encouragement à reprendre l'étude des années 1917-1921, tant elles peuvent encore apprendre à toutes celles et tous ceux qui, aujourd'hui encore, visent l'émancipation, pour citer ses propres mots. Donc, à l'occasion du centième anniversaire de la Révolution de 1917, un certain nombre d'articles ont été rédigés, des hors-séries ont été préparés, des livres sont sortis ou ont été réédités. Il y a eu des programmations spéciales dans l'audiovisuel. Stéphane Courtois, qui était l'auteur de l'introduction du livre noir du communisme, qui a le plus fait polémique en 1997, a fêté à sa manière le centième anniversaire en écrivant une biographie d'un Lénine qui est décrit comme le père du totalitarisme. Biographie qui a reçu un écho médiatique assez large, avec des invitations sur RTL, RMC ou encore France Culture. Sur France Culture, l'émission était intitulée « Le procès de Lénine », ce qui reprenait, avec une ironie apparemment involontaire, la critique que Daniel Ben Saïd avait formulée à l'égard de Stéphane Courtois en 1997, en parlant de lui comme d'un historien intronisé inquisiteur. Mais le diagnostic posé par Éric Honnoble en 2016 est-il toujours valable? Comment le centenaire de la révolution russe a-t-il été traité dans les médias français? Donc pourquoi? Dans quelle mesure ce traitement
fait-il écho à la réception de l'événement il y a un siècle? Et enfin, en quoi ce traitement nous éclaire-t-il plus largement sur le rapport des médias avec la science historique et l'histoire? Je vais laisser la parole tout de suite à Eric Honnoble, en le remerciant à nouveau de venir nous apporter son éclairage, qui va donc nous parler de 1917, puis de 2017, et ensuite on pourra passer à des questions de la salle. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, pour moi, là, ce soir, c'est la dernière conférence dans le cadre du centenaire. Alors, non pas que j'en ai marre du sujet, parce que je vais continuer à travailler là-dessus, mais là, je suis quand même content de pouvoir retourner à des activités de recherche, parce que, mine de rien, depuis la fin août, ben là, ça doit être la 29e conférence. Voilà, donc ce qui prouve quand même que ça a eu un certain écho, ce centenaire, et ça tombe très bien pour moi de terminer par cette intervention ici, parce que ça me permettra de faire un premier bilan du centenaire, même si c'est un bilan qui sera tout sauf exhaustif. Alors, ceci étant, je vais quand même commencer par revenir à l'événement lui-même. Comment dire, en préparant cette intervention, donc j'ai pensé aux médias un peu dans le sens le plus restreint, c'est-à-dire quand même essentiellement la presse. Alors, ce qui pour 1917 pose pas trop de problèmes, parce que c'était quand même le média principal, et il y en avait guère d'autres. Je rappelle très rapidement, peut-être pas les événements, mais en tout cas les grands moments. Donc, depuis 1914, toute l'Europe est en guerre. La Russie est l'alliée de la France et de la Grande-Bretagne, et donc s'oppose aux empires centraux, essentiellement Allemagne, Autriche-Hongrie. Et donc la révolution éclate en février 1917 dans le calendrier orthodoxe, et donc c'est le 8, enfin, ça commence le 8 mars dans le calendrier en usage en Occident. Une révolution qui continue, c'est sans doute d'ailleurs ça, j'en reparlerai, qui pose problème que le processus révolutionnaire ne se soit pas juste arrêté à la destitution de l'empereur, mais continue à s'approfondir, et donc avec une montée des tensions qui se retrouve avec des journées d'émeutes en juillet et en octobre, à l'occasion du deuxième congrès des conseils d'ouvriers, des conseils de délégués d'ouvriers, de paysans et de soldats, la prise du pouvoir par les bolcheviks, ce qui va ouvrir sur une période de guerre civile qui monte, on va dire, entre octobre-novembre 17 et l'été 1918, pour pleinement se déployer le long de l'année la fin de l'année 1918 et toute l'année 1919, et peu à peu arriver à une conclusion en 1920-1921. Alors, la réception française de ces événements dans la presse. Alors, c'est intéressant parce qu'à la fois, on est à une époque, donc c'est la presse qui est vraiment le grand média, mais c'est vrai que c'est déjà une presse relativement moderne, à grand tirage, avec le Matin, le Parisien qui se tire la bourre pour être un peu le grand quotidien le plus vendu. C'est quand même aussi le début d'une presse illustrée, je pense à l'Illustration d'ailleurs, qui fait des grands reportages sur la Russie avec des photos. Bon, c'est une revue très grand format et avec des photos qui prennent bien, qui peuvent prendre jusqu'à la moitié d'une page, donc c'est des très grandes photos. En plus, des photos qui sont restées parmi, je pense par exemple à une photo d'un militant en train de distribuer des tracts, donc qui est monté sur l'arrière d'un camion, et on voit donc un peu en contre-plongée ce militant qui tend des tracts et une forêt de mains qui se tendent pour attraper ces tracts. Donc ça a été publié dans l'Illustration. Donc pour dire que de ce point de vue-là, on est vraiment déjà dans un événement qui est couvert de façon moderne. Ensuite, à l'inverse, hein, dans un autre sens, on est en pleine guerre et la Russie, c'est loin de la France. Et c'est d'autant plus loin de la France qu'entre les deux, on a deux lignes de front.
la ligne de front qui passe par la France et la ligne de front entre les troupes russes et les troupes des puissances centrales. Ça explique une chose, c'est qu'en fait, quand on regarde ce que j'avais fait pour écrire mon bouquin, et grâce à Gallica, quand on regarde un peu la presse de l'époque, on s'aperçoit que pour l'essentiel, les événements sont rapportés par dépêches d'agence. Alors en plus, comme on est en guerre, les journaux sortent sur un tout petit format, 4 pages, c'est à peu près la norme. Et clairement, autant l'actualité française, et y compris d'ailleurs l'actualité parlementaire, va faire l'objet d'assez longs articles, autant ce qui se passe à l'étranger, et particulièrement ce qui se passe en Russie, ça va très souvent être des articles, en tout cas les articles qui annoncent les événements sont extrêmement courts, c'est uniquement la reproduction des dépêches d'agence. Et en plus, les dépêches d'agence, elles transitent, c'est-à-dire que c'est le correspondant de Saint-Pétersbourg qui fait passer au correspondant de Stockholm, qui fait passer au correspondant de Londres et dans le circuit, la presse française arrive en dernier. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que la presse française a un rapport particulier avec la Russie tsariste. Alors c'est quelque chose qui est apparu dans le grand public en 1923 quand l'Humanité, donc l'organe du Parti communiste, section française et internationale communiste, publie une série d'articles sous le titre général « L'abominable vénalité de la presse ». Alors ça, c'est un effet du choix politique qu'avaient fait les bolcheviks de mettre fin à la diplomatie secrète, et en particulier Trotsky, devenu commissaire du peuple aux affaires étrangères, avait commencé à publier tout ce qui était secret dans les archives du ministère des Affaires étrangères tsariste. Et c'est comme ça qu'on avait découvert l'activité d'une officine dirigée par un dénommé Rafalovitch, qui était en relation avec l'ambassade de Russie en France et le ministère des Affaires étrangères, et dont le rôle était de distribuer de l'argent pour que on dise du bien de la Russie en France. Et sachant que l'enjeu n'était pas simplement un enjeu d'image, c'était un enjeu très réel, la fin du 19e siècle et le début du 20e, c'est l'époque des emprunts russes. Et donc l'enjeu de la bonne image de la Russie en France, c'est d'arriver à placer les emprunts russes auprès de la petite bourgeoisie française, qu'elle choisisse de mettre ses économies dans le développement de l'économie russe plutôt qu'ailleurs. D'après les documents qui ont été publiés, Rafalovitch a distribué entre 1900 et 1913 6,5 millions de francs pour soigner l'image de la Russie tsariste en France. Alors, on trouve un article fait par un historien là-dessus, donc qui est en accès libre sur le net, qui prend beaucoup de distance en disant « oui, mais quand on regarde, alors déjà on ne sait pas exactement quelle somme a été acquise, etc. Quand, et puis qu'une fois qu'on divise par toute la période et tous les journaux, somme toute, ça ne fait pas beaucoup d'argent. » Il arrive même, l'historien en question, à en tirer la conclusion que ça prouve que la presse française était sous-financée, qu'elle a été obligée de faire appel à la corruption de puissances étrangères pour arriver à fonctionner. C'est une conclusion que je laisse à l'auteur de l'article. Mais clairement, ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire que les médias français étaient habitués à vendre une image de la Russie, alors qu'était l'image une image un peu double, c'est-à-dire à la fois une Russie sauvage, mais en même temps alliée. Quelque part d'ailleurs, une image pas si éloignée de l'image de l'Amérique. C'est-à-dire le côté, bon, c'est un peu des grands-enfants, c'est pas une vieille civilisation comme nous, mais c'est quand même des amis. Donc, il y a cette image-là qui est présente et qui fait que les organes de presse français, comment dire, ont peut-être reçu de l'argent pour écrire ça, mais en tout cas, ils l'ont écrit et je pense qu'ils devaient en partie y croire. Pourquoi est-ce qu'ils devaient en partie y croire? Ben, pour une autre raison. Quand même sur l'actualité des choses, il est clair que, en repensant, quand je suis tombé un peu là-dessus en préparant mon bouquin, ça m'a fait tout de suite repenser à ce qui était sorti au moment de la chute de Ben Ali, quand on s'était aperçu qu'un certain nombre de journalistes français se faisaient payer des voyages en Tunisie sous Ben Ali et ensuite faisaient des articles pour vanter le modernisme du dictateur. Clairement, c'est à peu près le même type de fonctionnement. Là aussi, où il y a
des points communs assez évidents avec aujourd'hui, c'est le fait que, et là on n'est pas du tout dans des choix conscients et volontaires, le fait que les journalistes français qui ont à s'occuper de la Russie sont évidemment en situation de connivence avec les élites russes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des contacts, alors journalistes politiques ben, dans les milieux gouvernementaux, milieux gouvernementaux tsaristes, milieux politiques, alors clairement il y avait depuis la révolution de 1905 un pseudo-parlement en Russie, donc avec une opposition soit très respectueuse, soit bâillonnée. Bon, les journalistes pouvaient avoir des contacts avec ces gens-là, des intellectuels, des représentants de la bourgeoisie. Le problème, c'est qu'avec le début de la révolution, je dirais que c'est toutes les autres couches de la société qui s'agitent, et donc, par définition, toutes les couches de la société avec lesquelles les journalistes n'ont pas l'habitude de s'adresser. Et là, encore un point commun avec l'actualité, j'entendais, ça devait être samedi dernier, une émission sur les manifestations en Iran, où un universitaire d'origine iranienne disait que si les médias occidentaux n'avaient rien vu venir, c'est que les médias occidentaux étaient basés à Téhéran et côtoyaient essentiellement des gens, des milieux de la bourgeoisie éclairée de Téhéran. Alors que là, comme c'était un mouvement plutôt sur des questions sociales se déployant en province et dans des classes pauvres, ben, il avait fallu un certain temps avant que les correspondants étrangers aient même conscience de ce qui se passait. Ben, ça, on peut le reprendre tel quel pour ce qui se passe en Russie. Avec un élément supplémentaire, c'est qu'après la chute du Tsar, donc, d'un côté est formé le Conseil des députés ouvriers de Petrograd et de l'autre côté le gouvernement provisoire, qui au début d'ailleurs ne s'intitule même pas gouvernement provisoire de la République russe, juste gouvernement provisoire de Russie. Mais que très rapidement, vu que cette révolution ne s'arrête pas, qu'elle s'approfondit, les mouvements de gauche sont de plus en plus importants, y compris le gouvernement provisoire, prend en son sein des socialistes dès le début, mais les socialistes au sens de l'époque, les socialistes sont de plus en plus importants dans le gouvernement provisoire et dès mars ou avril, ils ont au moins la moitié des postes. Et puis Kerensky, donc socialiste, se retrouve Premier ministre au mois de juillet. Ça rajoute une difficulté pour les journalistes français, mais pas que français, mais français pour ce qui nous intéresse ce soir, à savoir que qui connaît les milieux socialistes russes parmi les journalistes français de l'époque? Alors, déjà, parce que le mouvement socialiste à l'époque, c'est l'extrême gauche, une extrême gauche radicale, majoritairement révolutionnaire, ou en tout cas considérée comme telle, et que dans ce milieu socialiste, le mouvement socialiste russe, alors, était clandestin, ce qui évidemment ne favorise pas les contacts avec la presse, globalement, mais surtout était animé de débats animés, voire même de violentes polémiques, et si bien que même dans le mouvement socialiste occidental, le mouvement socialiste russe, ça apparaissait comme une espèce de maison de fous où tout le monde se criait dessus et où tout le monde faisait des scissions pour une question de virgule à la fin d'un paragraphe. Donc même pour des socialistes occidentaux, le mouvement socialiste russe, c'était quelque chose d'assez incompréhensible. Alors prenez maintenant un journaliste qui, déjà en France, va considérer que les socialistes, que déjà Jaurès est un agent de l'Allemagne, etc. Imaginez le niveau de connaissance qu'un tel journaliste pouvait avoir du mouvement socialiste russe, divisé entre les socialistes révolutionnaires non marxistes, ou en tout cas pas essentiellement marxistes, et les sociodémocrates qui eux sont marxistes. Sociodémocrates divisés entre mensheviks, on va dire aujourd'hui modéré, mais comment dire, si on compare ce qu'on appelle à l'époque des socialistes modérés à la situation d'aujourd'hui, le terme de modéré pour les mensheviks n'est pas approprié, et des bolcheviks radicaux. Donc ça, c'est totalement incompréhensible pour des journalistes occidentaux, et y compris, ça va se voir dans le vocabulaire, c'est-à-dire que, par exemple, les bolcheviks dans la presse française, au moins jusqu'en 1918, sont majoritairement appelés maximalistes.
Et là, c'est une espèce de double méprise. Alors, bolchevique en russe, ça veut dire majoritaire, et c'est parce que les partisans de Lénine avaient été majoritaires au premier congrès où les deux tendances s'étaient séparées en 1903. Et en plus, c'était une espèce de majorité un peu par accident, parce qu'un certain nombre de délégués avaient quitté le congrès, etc., etc. Donc, bolchevique, c'est ça que ça veut dire. Maximaliste. Alors, maximaliste, d'une part, bon, c'est un côté radical que majoritaire ou la reprise de bolchevique ne rendrait pas en français. Mais surtout, et c'est là où quelque part c'est vrai, même si c'est vrai pour une mauvaise raison, les journalistes y voient le fait de dire que les bolcheviques seraient pour l'application du programme maximum. À l'époque, les partis socialistes avaient deux programmes, le programme minimum qui était le programme des réformes à entamer tout de suite en cas de position de pouvoir, et le programme maximum qui était la réalisation du socialisme. Et en fait, par une espèce de raccourci, en appelant les bolcheviques maximalistes, les journalistes français vont dire, ben, eux, en fait, c'est des gens qui veulent l'application du programme socialiste maximum, c'est-à-dire la mise en place du socialisme tout de suite, contrairement aux autres. Donc c'est une erreur, mais une erreur qui, quelque part, fait sens. En même temps où c'est une profonde erreur, c'est qu'il y a réellement un mouvement qui s'appelle maximaliste en russe, et c'est une scission ultra-radicale anarchisante des socialistes révolutionnaires, ceux qui n'étaient pas marxistes. Donc pour vous dire que rajouter à ça les problèmes de transcription des noms, qui fait que la même personne va pouvoir être, on va pouvoir orthographier son nom de façon différente, que c'est des révolutionnaires qui ont des pseudonymes, alors là, ma pauvre dame, alors déjà des gens qui n'utilisent pas leur vrai nom. C'est sans doute pas des gens très bien, etc., etc. Dernier point qui finit d'embrouiller les choses, c'est qu'on est en guerre, donc il y a une censure qui s'exerce sur la presse, et c'est une censure tout à fait ouverte, c'est-à-dire que les journaux paraissent avec des pavés blancs qui correspondent aux endroits censurés, et en fait, les journaux doivent envoyer, je crois que ça s'appelle les moras, en tout cas la maquette au service de censure qui renvoie en ayant dit ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Donc évidemment, ça n'encourage pas non plus à être extrêmement audacieux. Mais en même temps, où la censure est un peu un faux problème, c'est surtout que depuis 1914, il y a l'Union sacrée. Les socialistes participent, en tout cas majoritaires, participent au gouvernement de la France en guerre. Et donc il y a un consensus national qui, à l'époque, en tout cas au niveau des forces politiques, va de l'extrême droite, c'est-à-dire les monarchistes, jusqu'à l'extrême gauche en la personne des socialistes. Donc ça veut dire que, indépendamment même du contrôle, je dirais, mécanique de la censure, il y a une autocensure, des journalistes qui sont très conscients des impératifs de la guerre et qui mettent au-dessus de tout la nécessité de gagner contre l'Allemagne et donc d'avoir un discours patriotique qui permettrait d'aider à la guerre contre l'Allemagne. Et toute la lecture de la révolution russe, elle se fait à travers ce prisme. C'est pour ça que la première révolution qui fait tomber le tsar est bien vue, c'est qu'en fait, elle va être analysée officiellement comme la révolution française des Russes. Et là, il y a un côté toujours aussi horripilant des Français de trouver que les autres sont bien dans la mesure où ils nous imitent. Et clairement, c'est écrit noir sur blanc. C'est voilà, enfin, ils font leur révolution. Sachant qu'en même temps, et ça, c'est pas dit tout à fait clairement, mais c'est quand même très présent, que la chute du tsar résout un problème politique, à savoir que vendre à la population une guerre contre l'Allemagne comme étant une guerre de la liberté et du droit, quand votre principal allié, c'est la Russie tsariste, alors que la révolution de 1905 avait fait quand même beaucoup de dégâts pour l'image de la Russie, et que le fait que la Russie était une dictature atroce, ça, les gens le savaient. Donc, aller dire que vous faites une guerre du droit et de la liberté contre l'impérialisme allemand, c'était les termes de l'époque, alors que vous êtes allié à l'impérialisme russe, c'est un petit peu compliqué. Avec la chute du tsar, ça résout la question, et y compris, on voit des journalistes qui disent, ben, comme ça, il n'y a plus de problème, c'est bien la guerre des démocraties contre les empires, vu que maintenant la Russie est devenue une démocratie. C'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre la campagne qui commence très tôt contre Lénine comme agent allemand. Et quand je dis qu'elle commence très tôt, ça c'est quelque chose que je n'imaginais pas trop avant de travailler
travaillé là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, avant le départ de Lénine de Suisse, quand justement Lénine et d'autres révolutionnaires sont en train de négocier par l'intermédiaire des socialistes suisses avec les autorités allemandes pour avoir la possibilité de passer en train, non pas pour traverser la ligne de front d'ailleurs, mais pour passer vers la Scandinavie et ensuite en bateau jusqu'à Pétrograd, la presse française en parle et c'est là qu'on trouve tous les effets de donc Lénine, agent allemand, celui qui fait. Qui mène les négociations, c'est un dénommé Arstein, entre parenthèses, mais c'est un pseudonyme, etc., etc. Alors en plus, donc, tout ça, c'est des noms à consonance allemande et accessoirement qui peuvent avoir aussi des consonances juives. La révolution, donc, elle continue, c'est-à-dire sur place, indépendamment de l'action de Lénine. Et du coup, ce qu'on voit monter dans la presse française, c'est des expressions sur la populace. Et c'est assez logiquement qu'au moment de la révolution d'octobre, apparaît le terme de la commune à Pétrograd. Et là, on voit que c'est justement la vision majoritaire de la Commune de Paris comme étant une espèce de chaos sanglant où le bas peuple s'en donne à cœur joie et va tout détruire, tout incendier. Ben, c'est à travers ce prisme-là que la Révolution russe est vue. Et donc, après la Révolution octobre, ce qui est assez frappant, c'est que dans la presse quotidienne, l'intérêt retombe très vite, c'est-à-dire qu'ensuite il y a des titres sur troubles à Pétrograd, affrontements dans telle ville, etc., etc. Mais on sent qu'il n'y a plus, voilà, que quelque part le dénouement a déjà eu lieu. La seule question qui anime encore, qu'on sent être brûlante, c'est la question de la position du nouveau pouvoir en Russie sur la guerre. Et évidemment, le fait que. Alors, l'appel à la paix des bolcheviks n'est pas reproduit. Par contre, le fait que, du coup, faute de réponse du côté des Clémenceaux, etc., les bolcheviks s'acheminent vers une paix séparée, ça, la presse en parle. Et donc, le terme de révolution russe disparaît. Et ce qui apparaît, qui va d'ailleurs rester tout au long des années 20 et 30, c'est le terme de défection russe. Ceci étant, une fois que Brest-Litovsk, donc la conclusion de la paix à l'Est en février-mars, mars pour les bolcheviks, est conclue, la Russie sort des premières pages des journaux. Voilà, et ça, c'est quelque chose que j'imaginais pas trop, c'est qu'en fait, on a vraiment une presse qui est centrée sur les problèmes français, et donc la révolution russe, elle est vue négativement, c'est sûr, mais globalement, dès que ça touche plus directement la France, bah, c'est plus si important que ça. Alors, les gens qui écrivent, donc j'ai dit quand même que l'essentiel des nouvelles, c'est des dépêches d'agence, donc avec le côté extrêmement sec, trompeur, après la prise du pouvoir par les bolcheviks, il y a quand même tout un tas d'articles pendant plusieurs mois, c'est-à-dire, je dirais quasiment jusqu'à l'été 18, sur coup d'État à Moscou, Trotsky a renversé Lénine, où Lénine est tombé, mais bien avant qu'on lui tire dessus réellement, etc. Donc ça, c'est aussi un peu l'effet des dépêches d'agence du fait que c'est quand même toujours un peu l'homme qui a vu l'ours. Il reste qu'il y a des correspondants qui sont envoyés sur place. Dans la grande presse, on a tout le monde. Les correspondants de la grande presse vont sortir des livres. Il y a Claude Anet du Petit Parisien et Serge de Chessin de l'Écho de Paris. Le bouquin de Serge de Chessin s'appelle Au pays de la démence rouge. Je pense que ça permet de comprendre un peu le contenu. Alors là, c'est justement sur la populace qui se croit tout permis. Claude Anet, c'est à peu près la même chose, mais avec en plus un caractère antisémite beaucoup plus affirmé. C'est-à-dire qu'à un moment, il décrit les dirigeants bolcheviks en disant « On a l'impression de voir un tableau de Rembrandt où les personnages auraient quitté la synagogue pour l'Assemblée du peuple. » C'est cité à peu près texto. Il y a deux exceptions, une qui confirme la règle et l'autre qui l'infirme. Le correspondant du Figaro, qui est le seul parmi un des deux seuls à vraiment bien connaître la Russie, parce qu'il est marié à une Russe et qui couvre les affaires russes depuis avant la guerre, c'est René Marchand.
Mais manque de bol, René Marchand devient bolchevique. Il fait partie de ces Français installés en Russie au moment de la Révolution et qui rallie le bolchevisme. Et du coup, évidemment, ses derniers articles doivent dater du début de l'année 17. Et ensuite, il publie des brochures à Petrograd, pourquoi j'ai choisi le bolchevisme, etc. Mais il n'est plus correspondant au Figaro. Autre cas intéressant, l'Humanité. Donc, journal socialiste, mais journal socialiste d'Union Sacrée, jusqu'en novembre 17, parce que la fin de l'Union Sacrée correspond à la prise du pouvoir par les bolcheviks, même s'il n'y a pas de relation de cause à effet. Et donc, l'Humanité envoie un correspondant à Petrograd, précisément en octobre, début du mois d'octobre dans le calendrier français, c'est-à-dire un mois et demi avant la prise du pouvoir par les bolcheviks. C'est un Russe, Boris Khrushchevski, marxiste, et en plus parmi les premiers militants marxistes russes. Donc il a tout pour bien faire le job. Alors lui, ce qu'il voit en octobre, c'est des Apaches. Alors, entre autres, il décrit un phénomène qui est tout à fait vrai, c'est-à-dire le pillage des caves à vin du tsar. Mais ça, il le décrit abondamment et il voit la vérité du nouveau régime dans la soulographie généralisée des gardes rouges. Et en plus, il qualifie les bolcheviks d'anarcho-léninistes. Alors tout s'explique quand on sait que Boris Khrushchevski était en effet un des premiers marxistes russes, mais en même temps c'était aussi un des premiers opposants à Lénine, et que dès que Lénine avait commencé à proposer sa vision de la construction d'un parti révolutionnaire en Russie, Khrushchevski avait été un de ses premiers opposants. Et donc il était en exil en France depuis les années 1904 ou 5, mais il était resté opposé à Lénine, et donc l'Humanité envoie un correspondant totalement opposé à ça. Sachant que, comme les équilibres de force à l'intérieur de la SFIO se modifient, le pauvre Khrushchevski voit ses chroniques assez rapidement ne plus être publiées parce qu'au sein de la SFIO, la majorité Union Sacrée est affaiblie par la fin de l'Union Sacrée, et donc Khrushchevski, avec son côté anti-bolchevique, apparaît comme trop droitier pour la nouvelle ligne majoritaire de l'Humanité. Donc voilà. Alors, une chose importante quand même à voir, c'est qu'à côté de ça, il y a des gens qui sont au courant de ce qui se passe. C'est en fait les tout petits milieux opposés à la guerre, les tout petits milieux internationalistes, je pense. Alors, quand je dis des tout petits milieux, c'est des gens qui vont réunir 60, 80 ou 100 personnes à Paris dans les années 1916-1917. C'est le Comité pour la reprise des relations internationales et le Comité de défense syndicaliste. Alors, comment, ça c'est quelque chose que je n'avais pas eu trop l'occasion d'aborder dans mon bouquin, mais j'ai pu faire des petites recherches là-dessus depuis. Comment est-ce qu'ils arrivent à être au courant? Ben déjà parce qu'à Paris, avant 1917, il y avait des exilés russes. Et que parmi ces exilés russes, soit des exilés de longue durée, je pense par exemple à Lozovski, qui militait, qui était le responsable du syndicat des chapeliers juifs de la CGT à Paris, donc qui a dû fréquenter ses locaux plutôt deux fois qu'une. Donc lui, il était installé à Paris depuis la 1908, de mémoire. Mais aussi, pendant la guerre, des gens comme Martov, qui était le leader de la gauche menchevique, qui était opposé à la guerre, ou Trotsky, vont passer pas mal de temps à Paris et se lier aux militants anti-guerre français. Et donc, ça veut dire qu'au milieu d'une presse qui ne sait pas faire la différence entre un SR, un SD, un bolchevique, un menchevique, vous avez quand même un petit noyau de militants que, quand ils entendent parler de Trotsky, ils savent qui c'est parce qu'ils l'ont côtoyé en réunion. Et vous avez comme ça, par exemple, dans le premier conseil des commissaires du peuple, pas mal de gens qui ont vécu à Paris et qui étaient en contact avec des militants. Lénine, visiblement, était un petit peu connu, mais pas tant que ça. Mais voilà, donc ça, c'est un premier lien. Évidemment, quand la révolution commence en 1917, déjà, ils ont une petite connaissance, ces militants-là, de camarades russes. Mais en plus, ils voient bien que dès février, la révolution, c'est une brèche dans le mur de l'Union sacrée. Et en plus, le soviet de Petrograd se dote d'une section des relations internationales dès le mois d'avril, à une époque où le soviet de Petrograd est dirigé par des socialistes modérés, partisans de la poursuite de la guerre, etc. etc. Et cette section des relations internationales se donne le droit de
de communiquer avec toute organisation ou personne dans n'importe quel pays, indépendamment de la censure militaire. Et ça, ce qui est proprement énorme. Ça veut dire qu'il y a des délégations, il y a des délégations socialistes d'Union sacrée qui partent en Russie et qui vont prêcher la continuation de la guerre, mais qui vont revenir avec de la documentation. Et il y a même une délégation du Soviet de Petrograd, alors, qui sont des gens partisans de la continuation de la guerre, qui vont venir à l'été 1917 à Paris et qui vont avoir avec eux tout un tas de documents traduits en français, entre autres des Izvestia, c'est-à-dire du journal du Soviet de Petrograd. Donc tout ça pour dire que il y a des liens qui vont se tisser et que par la suite, j'ai parlé de ce correspondant du Figaro qui devient bolchevique en Russie. Vous avez comme ça tout un groupe communiste français avec des militaires comme Pierre Pascal, Jacques Sadoul, des émigrés politiques ayant trouvé refuge en Russie soviétique comme Victor Serge, et qui évidemment vont faire jouer, il y a aussi Marcel Body, etc., qui vont faire jouer leurs liens militants en France et qui pourront faire passer des informations, mais là ce sera plus tard, ce sera plutôt en 18-19. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé. Entre 1917 et 2017, des anniversaires marquants médiatiquement, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu 1967, où là, ça a été une grande période d'unanimisme, parce que à l'époque, c'est De Gaulle qui est au pouvoir, la France et l'Union soviétique s'entendent très bien. Le Parti communiste est à sa place dans le jeu politique français, et donc qui fait qu'on a un 50e anniversaire de la Révolution qui est assez unanimiste. Évidemment, les choses ont beaucoup changé, particulièrement en 1997 avec le Livre Noir. Alors, en 2017, moi, je m'attendais à voir un centenaire qui passe sous la table. En fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. De ce point de vue, j'ai plutôt été agréablement surpris. En fait, les seuls pays où le centenaire de la Révolution a été passé sous la table, c'est là où ça s'est passé. Et entre autres, les deux pays où il y a eu une forte pression contre toute forme de commémoration, c'est la Russie et l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs intéressant de constater que ces deux pays qui sont en opposition diplomatique, etc., ont eu à peu près la même façon de voir la Révolution, c'est-à-dire surtout ne pas en parler. Et toute personne qui voudrait en parler serait quand même suspect politiquement de vouloir s'en prendre au pouvoir en place. Alors en France, moi j'ai essayé de ramasser un peu tout ce qui sortait. Du coup, je me suis fait un corpus d'une petite vingtaine de numéros spéciaux, hors-série, etc. Il y a eu trois vagues. En fait, il y a cinq publications qui sont sorties entre décembre 2016 et mars 2017. Donc là, c'était la Révolution de février. Qui servait la plupart du temps d'occasion pour traiter toute la Révolution. J'ai compté quatre numéros parus pour l'été. Alors là, je pense que c'est aussi un peu des tactiques éditoriales, parce qu'en plus, les gens, pendant les vacances, peuvent se lire des numéros de revues bien épais qu'ils n'auraient pas le temps de lire autrement. Et par contre, il y a eu une grosse salve de septembre à décembre avec 10 numéros spéciaux. Alors, on trouve de tout. Il y a de la presse engagée. J'y mettrai, j'en reparlerai, Le Figaro, L'Humanité, Alternative Libertaire, Le Monde Libertaire, Le Monde Diplomatique, Valeurs Actuelles, Courant Alternatif, CQFD. Ça, c'est pour la presse engagée. Dans la grande presse, l'Histoire, Le Monde, supplément Histoire, le mensuel Géo Histoire, Télérama, Courrier International, un hors-série du Monde, à ne pas confondre avec Le Monde Histoire, L'Express. Dans la façon qu'ils ont eu de traiter les choses, ça a été très varié, c'est-à-dire que certains ont publié des matériaux originaux, soit en faisant appel à des historiens, soit en faisant appel à leurs propres journalistes. D'autres, et ça a été quand même pas mal fait, j'en ai vu quatre au moins qui n'ont fait que ça, ont repris des vieux articles et puis ont republié ça. Alors, des fois, ça peut être intéressant, d'autres fois, beaucoup moins. Et puis, il y a aussi, et ça, je l'ai un peu découvert avec des publications comme Le Monde Histoire et Géo Histoire, où là, c'est essentiellement du rewriting, c'est-à-dire qu'ils font faire une interview ou un article de tête par un spécialiste, et tout le reste, c'est des journalistes de la rédaction
qui passent à la moulinette ce qu'ils ont eu le temps de lire entre deux numéros. Et du coup, d'ailleurs, c'est pas d'un niveau extraordinaire en général, sans parler les problèmes de relecture. Dans le monde histoire, il y a une collègue, j'aurai la charité de ne pas dire qui c'est, qui du coup fait un raisonnement, et j'arrive pas à comprendre comment elle a pu arriver là, en disant, voilà, le 25 octobre 1917, les bolcheviks prennent le pouvoir. Jusqu'au 7 novembre, ils en profitent pour tout verrouiller. Et c'est le 7 novembre qu'ils font voter les soviets pour eux. Alors que le 25 octobre et le 7 novembre, c'est la même date. Donc là, il y a un petit problème. Mais bon, alors la collègue m'a dit que c'était un problème de relecture, que c'était la rédaction, que c'était pas elle. Bon, je veux bien. Alors, ce qui ressort de tout ça, c'est quoi? Grosso modo, en février, comment dire, l'idée qu'il y avait eu une révolution et qu'une révolution était bel et bien un processus par en bas, ça, c'est, ça a été mis en valeur, entre autres dans le numéro de l'histoire, bon, qui est toujours un peu le... Bon, c'est ce qu'on va retrouver le plus dans les salles des profs, et puis qui donne un peu le ton. Quand il m'avait contacté, je l'avais pris de façon un peu ironique, parce que dans mon bouquin, je parle pas mal de l'histoire. L'histoire, après la publication du Livre Noir, ils ont fait au moins 4 unes sur le communisme, et puis le nombre de morts augmentait à chaque fois. Donc, ils ont commencé à 85, et je crois qu'ils ont fini à 120 ou 130. Donc, quand ils m'ont contacté, j'ai été un petit peu ironique, et la dame m'a dit d'une part que c'était pas elle qui était en charge du journal quand ça s'était fait, et que là ce qui les intéressait cette année c'était la révolution par en bas, et clairement ils ont fait un numéro qui correspond à ça. Même chose sur Arte, il y a eu un documentaire conseillé par Marc Ferraud et Michel Daubry, qui est un spécialiste des crises politiques et qui était très intéressant sur les mécanismes de mobilisation et tout ça, mais qui se terminait par un Lénine qui sortait de sa boîte. Alors Lénine qui était ridiculisé au début du documentaire en train de ranger son frein à Zurich et qui à la fin apparaissait comme le type qui finalement arrivait à tout manipuler. Alors c'est sans doute ça qui fait bien la liaison entre les livraisons de février et les livraisons d'octobre. C'est que clairement pour octobre, là il n'y a plus d'ambiguïté, c'était un coup d'État et c'est Lénine le responsable. Et d'ailleurs on le voit en regardant les couvertures de ces numéros spéciaux. Donc j'ai dit que j'en avais un petit peu moins de 20. On trouve Lénine en couverture sur 8 numéros. Alors ensuite, des groupes ou une foule sur 4 numéros, mais sauf que essentiellement, quand on essaye de voir qui sont ces groupes ou qui est cette foule, 3 fois c'est des soldats et 3 fois des femmes. Alors 3 fois des femmes, je pense que ça correspond à un intérêt pour la question des femmes et la question du genre aujourd'hui. Mais par contre, le fait de montrer des soldats, alors c'est une réalité. En même temps, c'est pas tout à fait neutre dans la mesure où ça présente la révolution plus comme un processus militaire que comme un processus social. Voilà. Alors, la Vulgate, pour résumer, ben, deux choses que j'ai trouvées merveilleuses. Un historien, Fabrice Dalméda, qui a une chronique sur RTL. J'ai pas tout écouté, mais j'ai regardé les titres. Alors, il a fait une semaine sur la révolution russe à l'automne. La première chronique du lundi s'intitulait « La faillite des libéraux ». Et la dernière chronique du vendredi s'appelait « Le triomphe des populistes ». Voilà. Tout est clair. Et sur le site de France TV Info, dans le cadre des rétrospectives de l'année 17, ils ont fait une rétrospective de 1917 et non pas de 2017, avec donc, alors c'est un truc, je sais pas, ça doit tenir un demi à quatre à peine. Donc sur le demi à quatre qui traite de tout ce qui s'est passé en 1917, il y a un demi-paragraphe sur la Révolution russe que je vais vous lire. En octobre 1917, Lénine et ses troupes décident d'en finir avec l'Assemblée russe démocratiquement élue. Là, il faudra qu'on m'explique quelle Assemblée russe, parce qu'elle a été élue au mois de décembre. C'est la révolution bolchevique. Guerre civile, disette, famine, le nouveau régime s'installe et le pays deviendra l'URSS. Circuler, il n'y a rien à voir. Au niveau des médias engagés, alors justement, à porter cette vision, mais en la radicalisant, il y a le Figaro qui a fait un numéro pour février, qui en couverture présentait Nicolas II. Voilà, quand même. À tout seigneur, tout honneur. Et je crois que le titre, c'était « Les secrets de la révolution russe ».
au sommaire, on trouvait Courtois, et en fait, je ne sais plus si c'était un article ou une interview, mais c'était le best-of de son livre à venir sur Lénine. En dehors de Courtois, on trouvait un dénommé Jevakov avec deux F, ce qui signale l'immigration blanche anti-bolchevique. Alors, ce qu'il a est tout à fait mérité parce que c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Je l'ai quand même entendu expliquer la révolution russe par un complot judéo-maçonnique anglo-allemand, tout en disant les collègues russes parlent de ces questions. C'est-à-dire, c'est absolument pas moi qui pourrais penser que c'est les juifs qui sont responsables, mais les collègues russes en parlent, donc c'est dire que c'est sérieux. Et il est l'auteur d'une histoire de la guerre civile, je vous laisse deviner de quel côté il penche. Un historien de la Sorbonne que je soupçonne de ne pas être d'extrême gauche et qui est spécialiste des tsars, et Jean-Christophe Buisson. Et alors Buisson, donc, lui, a sorti un bouquin au début de l'année 17 qui s'appelle 1917, l'année qui a bouleversé le monde ou changé le monde. Y compris, c'est un peu lui qui, dans les milieux conservateurs, a occupé le début de l'année. Donc, vous achetiez le Buisson en début d'année et le Courtois en fin d'année. Et alors, dans ce cadre-là, Buisson a donné une interview au Figaro en septembre que je vous conseille, qui est un petit chef-d'œuvre, j'aurais presque envie de dire, de politique fiction, de politique alternative. Alors, l'idée, c'est qu'il faut quand même trouver quelque chose, comment dire, qui accroche ce type de public. Et je pense de plus en plus que ce public, alors peut-être aussi parce que dans ma famille, j'en ai, mais que c'est des gens qui aiment bien avoir peur et qui aiment bien se faire peur. Donc là, l'interview de Buisson, c'était quoi ? C'était, bah, de toute façon, la France de l'automne 2017, c'est comme la Russie de l'automne 1917. Vous voulez des preuves ? Au pouvoir, on a un homme jeune, sans passé, qui veut rompre avec le système. Kerensky, Macron. Jusque dans les photos, quoi, le côté ouais, juvénile, tout ça. Ensuite, on a une situation sociale extrêmement dégradée. Alors, le moment où Buisson a fait son interview, c'était au moment où certains syndicats de routiers menaçaient de faire des actions par rapport aux ordonnances sur le travail. Et donc, Buisson explique, en Russie, l'économie était bloquée par les comités ouvriers et la France est bloquée par les routiers. Si ce n'est pas la même chose. Et puis, les syndicats qui veulent bloquer le pays, tout ça. Et enfin, Lénine, Mélenchon. Sachant que la comparaison Lénine-Mélenchon, je l'ai vue à plusieurs reprises, sur le côté, il se fâche avec tout le monde, il ne veut pas faire l'union de la gauche, donc il est bien comme Lénine, qui se fâchait même avec les autres composantes de la gauche russe. Ça me laisse pantois, ce genre de choses, mais bon. Valeurs Actuelles, eux, ils ont fait un numéro spécial et j'en parle, je ne l'ai pas lu, même pas tenu entre mes mains, mais j'en parle parce qu'ils ont eu une façon d'aborder les choses qu'ont eu plusieurs magazines comme Courrier International et L'Express aussi, c'est-à-dire en fait de faire un numéro sur le siècle russe et du coup, c'est la dialectique Lénine-Poutine. Voilà. Alors ensuite, le monde diplomatique, eux, ils ont fait intervenir alors des historiens dont moi et ma collègue genevoise, c'était un peu les genevois qui donnaient le ton, donc fait intervenir des historiens, mais aussi des journalistes de la rédaction. L'Humanité a fait un numéro spécial au mois de juin. Alors, le numéro spécial de l'Humanité traduit assez bien l'embarras du Parti communiste, à savoir qu'ils ont décidé de ne pas choisir, c'est-à-dire que dans leur numéro spécial, on trouve deux personnes qui ont droit à un article, et ça a pu faire hurler dans les chaumières communistes et staliniennes, c'est-à-dire qu'ils ont quand même sollicité Jean-Jacques-Marie Trotskiste, et ça je pense que chez certains anciens ça a dû faire jaser, mais aussi Nicolas Wirth. Et là, je dois avouer que Nicolas Wirth dans l'Humanité, ça m'a quand même, ça m'en a bouché un coin. Et clairement, j'ai eu l'occasion de participer. Alors là, c'était moins médiatique. C'était donc le PC qui organisait en tant que tel à son siège, qui organisait un certain nombre de tables rondes. En discutant avec un des organisateurs, il disait que ça avait été,
qu'il n'y avait pas eu vraiment de choix de fait et que du coup, tout le monde avait fait un peu comme ce qu'il voulait, dans son coin, comme il voulait. Et y compris les débats auxquels j'ai participé montraient que tout le monde se cherchait un peu un truc à se raccrocher sans trop savoir à quoi. En allant plus vers l'extrême gauche, au NPA, pour ce que j'en ai vu, il y a eu surtout le. Comment dire, alors, il y a eu le livre de Besancenot qui a quand même fait pas mal de bruit et où il y a un essai un peu d'utiliser l'historiographie dans ce qu'elle peut avoir d'assez récent. Et ça, ça se retrouve dans ce que j'ai pu voir sur différents sites, c'est-à-dire un souci de discuter l'historiographie, quitte à s'éloigner un peu des fondamentaux par certains côtés. Il y a eu d'autres organisations qui ont été beaucoup plus sur les fondamentaux, alors je pense au POI, à la Fédération anarchiste, à Lutte ouvrière ou à l'OCL, qui pour l'essentiel ont soit ressorti des textes anciens, soit des commentaires basés sur des textes anciens, mais sans prétendre apporter quoi que ce soit de neuf. Ensuite, il y a deux organisations où il y a eu un peu de novation. Alors, il y a eu le POID, dont fait partie Jean-Jacques Marie, et donc ils avaient un peu chez eux un des principaux spécialistes, donc ça permettait un peu de faire le lien entre ce qui s'écrit chez les historiens et ce qui se peut se dire chez les militants. Et un autre exemple que je tiens à souligner, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé appréciable, c'est dans Alternative Libertaire, Guillaume Davranche, qui travaille de façon indépendante comme historien, qui a fait un gros bouquin sur la CGT d'avant 14, qui a fait un dossier sur les anarchistes en 1917 en Russie. Ce qui semble être une espèce de porte ouverte, tout le monde a l'impression, disons que ceux que ça intéresse ont l'impression de savoir des choses là-dessus. Or, il se trouve que moi j'ai eu l'occasion de travailler sur le gros bouquin de Voline, La Révolution inconnue. Alors d'une part, Voline est arrivé assez tard en 1917, et en plus, dans son bouquin, il ne parle pas de tout un tas de gens très importants. Et en fait, donc à Alternative Libertaire, du coup, ils ont fait l'effort, alors ce n'est pas des russophones, mais d'aller chercher des sources en anglais, et du coup de faire un tableau du mouvement anarchiste en Russie tel qu'il n'a jamais été proposé en français jusqu'à présent. Ce qui est, voilà, je tenais à le dire parce que c'est une initiative suffisamment isolée malheureusement pour être soulignée. Et clairement, un peu comme dans mon bouquin, ce que je peux regretter, c'est qu'y compris dans les milieux militants, il n'y ait pas eu plus le souci d'essayer de... Je ne dis pas du tout de changer de direction idéologique, mais d'essayer de trouver un peu des matériaux neufs pour sortir les représentations de la Révolution d'un côté canonique qu'elles peuvent avoir gardé des fois dans des groupes militants, quelle que soit leur obédience d'ailleurs. Et je vais terminer avec ça. Je pense qu'on aura l'occasion de faire prolonger ça par des questions. Alors, Nicolas Vert, donc c'est un historien qui a eu la chance d'être en poste à Moscou, je crois qu'il faisait son service en coopération, d'être en poste à Moscou juste à la fin de la perestroïka. C'est-à-dire que les archives se sont ouvertes devant lui et il était déjà historien. Il se trouve qu'en plus, c'est le fils d'Alexander Vert. Alors, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose. Alors, quelle que soit votre opinion sur Nicolas Vert, je vous conseille la lecture des livres de son père, Alexander Vert, qui était donc un journaliste britannique d'origine russe et qui a couvert pour la presse britannique la Seconde Guerre mondiale en Union soviétique, sachant qu'il était parfaitement russophone vu qu'il était d'une famille russe. Et donc il y a 3-4 bouquins qui ont été en plus réédités assez récemment en poche, deux tomes L'URSS en guerre, plus un bouquin sur Stalingrad et un bouquin sur le siège de Leningrad, qui sont des grands bouquins parce que pour le coup c'est quelqu'un qui parlait le russe et qui ne se payait pas de mots, c'est-à-dire que, il adhérait pas à la propagande du régime, mais il adhérait pas non plus à l'anticommunisme britannique, et du coup c'est un récit de la Seconde Guerre mondiale, justement, où il s'intéresse au peuple, etc. Je vais faire des choses qu'un historien ne devrait pas faire, mais Alexander Vert était un homme de gauche qui s'est suicidé après l'invasion de l'Afghanistan, de la Tchécoslovaquie en 1968. Et donc son fils est devenu historien de l'Union soviétique. Je pense que c'est
une charge. Voilà. Et alors, c'est quelqu'un qui, à l'origine, est plutôt dans le courant historiographique de l'histoire sociale, un peu comme Marc Ferraud. Et y compris, il se réclame de l'affiliation de Marc Ferraud. Dans la préface du livre noir du communisme, il est dit, et je pense que ça concerne en particulier Nicolas Werth, que ce sont essentiellement des historiens de gauche. Et voilà. Sauf que, alors, d'une part, donc, clairement, Nicolas Werth, étant au bon endroit au bon moment, il a fait tout un tas de recherches extrêmement intéressantes sur les débuts du régime soviétique, etc. Il a participé au Livre Noir. Alors là, il a fait un pas de deux, et je me suis aperçu par la suite qu'il faisait souvent des pas de deux, c'est-à-dire qu'il fait un chapitre du Livre Noir dont le titre est 1917-1991, un État contre son peuple. Alors là, je veux dire, n'importe qui lit ça voit la théorie du totalitarisme, à savoir que le communisme est un invariant du 25 octobre 17 au 25 décembre 1991, et que chercher une différence entre Lénine, Staline, Khrouchtchev et Brejnev, c'est déjà être coupable d'une complaisance pour le totalitarisme. Mais lui disant, mais pas du tout, c'est pas ce que je pense, et je fais une histoire sociale, et y compris il s'est brouillé avec Courtois sur la préface de Courtois, où Courtois disait, c'est ce qui avait le plus choqué, si on est sensible au sort d'un enfant juif à Auschwitz, pourquoi n'est-on pas aussi sensible au sort d'un enfant ukrainien en 1933 ? Et donc, Werth a fait un article dans Le Monde où il s'est désolidarisé, non pas du bouquin, mais de la préface de Courtois. Et il se trouve que moi, je suis spécialiste de l'Ukraine. Sur la famine ukrainienne, il a fait à peu près le même pas de deux, où pendant tout un temps, il allait vers une définition génocidaire de la famine de 1933. Ça faisait très plaisir à tout un tas de gens, parce que si vous avez Werth de votre côté, en termes d'autorité scientifique, c'est quelque chose. Et puis au dernier moment, il a dit « Ah oui, mais c'est pas nous les génocide, c'est un terme juridique. Nous les historiens, c'est pas avec ce genre de concept qu'on peut travailler. » Et du coup, il a fait ensuite des articles faisant un peu la différence entre la famine ukrainienne, la famine de la Volga et la famine nazie centrale, sans prendre position sur le caractère génocidaire. Voilà. Et alors, il reste que c'est... alors donc c'est quelqu'un qui a arrêté de travailler sur la Révolution assez tôt. C'est-à-dire qu'il a travaillé sur la période de la Révolution fin des années 80, début des années 90. Ensuite, il est plutôt parti sur la période stalinienne, fin des années 90, milieu des années 2000. Et là, alors de fait, un des problèmes, oui, ça j'ai oublié de le dire, c'est qu'en fait, il y a très peu de gens qui travaillent sur la période révolutionnaire elle-même. Et donc, Nicolas Werth, indépendamment, alors clairement, vu son positionnement, totalitaire sans le dire, on va dire. Il était très pratique pour la presse. Je pense par exemple à Télérama qui a fait un numéro plutôt sur les questions culturelles et artistiques dans la Révolution russe, mais qui était ouvert par une interview de Nicolas Werth qui était censé un peu rappeler les événements, etc. Donc évidemment, Nicolas Werth a fait ce qu'il fait toujours, c'est-à-dire dire février c'était magnifique, la société s'organisait, et puis ensuite octobre c'est l'été noir, etc. Et où d'ailleurs il reprend quasiment le terme de populiste pour les bolcheviks en disant c'était un parti attrape-tout, on voit bien aujourd'hui comment ça peut exister, etc., etc. Mais donc si Nicolas Werth a eu autant de place, parce que ça a été avec Marc Ferraud, ça a été un des plus invités dans les différentes publications, c'est aussi parce que avec Marc Ferraud, c'est un des seuls historiens reconnus qui ait travaillé là-dessus, même s'il ne travaille plus là-dessus. Dans le cas de Ferraud, c'était plutôt une reconnaissance tardive. Sur l'état de la recherche, donc, vous dites qu'il y a très peu de spécialistes en France. Est-ce que c'est le cas aussi dans le monde francophone ou au niveau international? C'est une première question. Et une deuxième qui est aussi liée à cet aspect-là des choses. Quelles invitations vous avez eues personnellement, puisque vous êtes un des spécialistes français de cette question? Alors, je dirais quand même qu'en France, je dirais qu'on est quatre à travailler là-dessus. Alexandre Soumpf, qui travaille, alors cette année, disons depuis 2 ans, il a beaucoup travaillé sur la Révolution
Ensuite, c'était pas, bon, évidemment, c'était par rapport au centenaire et c'est bien normal, mais comme c'est quelqu'un qui a travaillé déjà, qui a fait une thèse sur les institutions culturelles soviétiques à la campagne au début des années 20, bon, il maîtrise ce côté-là, et en plus, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé sur la guerre 14 en Russie. Donc, de fait, même s'il n'avait jamais fait de travaux spécifiques sur la Révolution, c'est quelqu'un qui est totalement compétent là-dessus et qui, en plus, comment dire, tout au long de l'année, a défendu une ligne un peu la jeune démocratie russe en gestation qui n'a pas éclos. Et donc ça, c'était évidemment un discours qui pouvait trouver son public. Autrement, il y a Emilia Kustova qui, elle, travaille sur les commémorations de la Révolution russe et d'ailleurs qui a sorti un bouquin là-dessus, un superbe bouquin, et donc qui, justement, par le biais des commémorations, a aussi une expertise. Et puis, oui, donc Jean-Jacques Marie et moi, voilà. Alors, à l'étranger, grosso modo, je dirais que quand même, en général, la dernière grande vague d'intérêt pour la Révolution au niveau historiographique, c'était la perestroïka qui, le temps que des gens qui commencent leur thèse finissent leur thèse, etc., s'est étendue jusqu'au milieu ou la fin des années 90. Et que partout, c'est retombé après. Alors, par exemple, en Russie, il y a un historien que je trouve très bien sur la question, c'est Boris Kolonitsky, qui pour la première fois a eu des petits articles de traduits en français parce qu'il a été interviewé. Lui, il travaille là-dessus depuis au moins la fin des années 80, et j'ai le souvenir de l'avoir croisé un colloque en 2011 où il avait commencé son intervention en disant « Je suis un historien russe qui travaille sur la Révolution, c'est vous dire le sentiment de solitude que je peux éprouver. » Voilà. Je ne sais pas s'il se sent moins seul. Toi, si, il y a quelques jeunes historiens, je pensais à quelqu'un qui a travaillé un peu sur l'opposition trotskiste et qui là maintenant travaille sur le culte de Trotsky au début de l'URSS, mais ça fait pas grand monde. Dans le monde anglo-saxon, alors le monde anglo-saxon, clairement, moi, quand je commençais ma thèse, la première fois que j'ai commandé en bibliothèque un bouquin publié, je ne sais plus, c'était les presses universitaires de Cambridge ou les presses universitaires d'Oxford, donc un bouquin sur mathématiques, je reçois le bouquin, et puis donc il y a un extrait de catalogue à la fin. Et quand j'ai vu tout ce qui avait déjà été publié sur la période révolutionnaire en anglais, j'ai réellement, j'exagère à peine, réellement failli me dire « bon ben j'arrête ma thèse, de toute façon je vais d'abord lire tout ce qui a été écrit sur tous les sujets qui m'intéressent et ensuite on verra ». C'est-à-dire que c'est incomparable l'écart historiographique et éditorial entre le monde anglo-saxon et le monde francophone sur la Révolution russe. Même s'il y a le même creux de la vague dans le monde anglo-saxon, mais le problème, c'est qu'ils avaient tellement publié dans les années 60, 70, 80, et c'est d'ailleurs un des problèmes de cette année, c'est qu'en fait, par exemple, il y a deux bouquins alors, qui sont ceux que je conseille le plus dans les parutions de l'année. C'est d'Alexander Rabinovitch, « Les bolcheviks prennent le pouvoir », qui a été publié aux éditions de La Fabrique, et Red Petrograd sur le mouvement des comités d'usine, donc Petrograd rouge en français, le mouvement des comités d'usine à Petrograd en 1917, qui a été publié aux éditions Les Nuits Rouges cette année. Alors, je suis très content parce que c'est mes deux éditeurs, donc voilà, je suis content. Ensuite, Red Petrograd, c'est un bouquin qui date de 1983, et Les bolcheviks prennent le pouvoir, c'est un bouquin qui date de 1978. Voilà, et c'est les nouveautés de l'année 2017 en France. Donc c'est vous dire le retard qu'on a, quoi. Donc, donc ça c'est une chose, et c'est un retard là qui pour le coup est pour des raisons politiques, c'est-à-dire que Rabinovitch et Stephen Smith, l'auteur de Red Petrograd, c'est des gens qui s'inscrivent dans cette école révisionniste d'histoire sociale, donc qui refusent le schéma totalitaire et qui essayent d'étudier, par exemple Rabinovitch décrit un parti bolchevique à Petrograd qui est plutôt une pétaudière qu'un parti monolithique, où tout le monde s'engueule tout le temps, voilà,
et quant à Stephen Smith, il montre que les ouvriers prenaient le pouvoir dans les usines et qu'ils n'avaient pas besoin d'attendre un mot d'ordre du parti pour le faire. Voilà. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été publié en français, parce que, y compris, je disais que Féro avait eu une reconnaissance tardive. Féro a quand même été, son bouquin sur la Révolution russe, le premier tome, est sorti en 1967, le second tome en 1976, je crois. Sur la Révolution russe, il a subi une traversée du désert pendant toutes les années 80, 90 et même 2000. Donc là, ils lui ont redonné la parole un peu sur le tard, parce qu'il est quand même très vieux. Et du coup, d'ailleurs, maintenant, il est plus sur des histoires de la princesse Anastasia qui ne serait pas morte avec le reste de la famille impériale. Et sur Lénine, je pense qu'il dit un peu n'importe quoi maintenant. Mais voilà. Mais pour dire qu'il y a ce retard de l'historiographie française dans le domaine, et que même s'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui travaille sur ces questions-là dans le monde anglo-saxon aujourd'hui, pas beaucoup de monde dans le monde anglo-saxon, ça représente énormément de monde par rapport à la quantité de chercheurs français. C'est-à-dire que de toute façon, l'espèce de routine universitaire, les institutions qui ont été mises en place au moment de la guerre froide aux États-Unis, avec des départements d'études soviétiques, russes, etc., il y a tellement de départements partout et qui ont quand même toujours des financements, qui fait que, bon an, mal an, il y a quand même toujours des gens qui travaillent un peu sur cette période-là, et ainsi de suite. Et que, par exemple, c'est des thématiques à la mode, mais il y a quelques années, il y a un chercheur, je ne sais plus s'il est britannique ou américain, mais qui a fait un travail sur l'homosexualité en Union soviétique. Évidemment, les études de genre sur la période révolutionnaire et les débuts de l'Union soviétique, mais ça fait 20 ans que les anglo-saxons ont publié là-dessus. Voilà, tout est un peu à l'avenant. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une grosse frénésie spécialement maintenant, mais par contre, il n'y a jamais eu de tarissement comme il y a pu y avoir en France, et il n'y a jamais eu non plus, c'est d'ailleurs assez intéressant à voir, c'est que clairement les États-Unis, s'ils ont commencé à étudier l'histoire soviétique, c'était dans le cadre de la guerre froide, donc c'était pas par amour de la science par idéal, mais c'était vraiment dans une démarche politique. Il n'empêche que j'ai pas l'impression qu'il y ait eu les mêmes effets de blackout sur tel ou tel courant historiographique qu'il y a eu en France. Il y a eu des polémiques extrêmement dures dans le monde universitaire anglo-saxon, et y compris les polémiques dans le monde universitaire anglo-saxon sont plus dures que dans le monde français. C'est-à-dire que du coup, on va vraiment s'accuser de ne pas être sérieux, de vous citer telle source, mais vous l'avez lu à l'envers, etc. Mais par contre, il n'y a jamais eu un courant hégémonique empêchant l'autre de s'exprimer. Alors qu'en France, c'est quand même un petit peu ce qui s'est passé des années 80 quasiment jusqu'à aujourd'hui, même sans que j'y vois la volonté de tel ou tel, mais de fait, c'est ce qui s'est passé. Alors là, sur la genèse du livre noir lui-même, je ne sais pas grand-chose, je n'étais pas dans le secret des dieux. Comment dire Si, je crois que le truc, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que, d'une part, évidemment, il y a le fait que la chute de l'URSS a ébranlé et débloqué des choses idéologiquement. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de la France, alors c'est là d'ailleurs où il y a une espèce de fonctionnement qui a toujours été un peu déconnant, c'est que de 1945 à la fin des années 70, la vulgate en France était une vulgate pro-soviétique. Ce qui, sur les études de la Révolution, n'était pas si favorable que ça, de mon point de vue, parce que du coup, c'était une vision, on ne gardait de la Révolution que ce qui permettait d'expliquer la Grande Union soviétique. Donc ça veut dire que la Révolution elle-même, à savoir qu'à un certain moment, des gens refusent de faire ce qu'on les oblige à faire, soit par la loi, soit par la relation sociale, et qui s'organisent autrement, etc., ça apparaissait très très peu. Il fallait vraiment lire entre les lignes. Donc de fait, la fin de l'URSS, ça a remis ça en cause, sachant que c'était bien entamé en France. Grosso modo, le PC, à la fin des années 70, par exemple, a arrêté de mettre la Révolution russe au programme des écoles du parti.
Donc, et ça correspond exactement au moment où il y a les nouveaux philosophes, où dans l'après-68, Lénine commence à devenir une figure négative et où vous pouvez avoir des gens, Solzhenitsyn sort un bouquin sur Lénine, mais vous avez aussi des gens plutôt issus de milieux de gauche non communistes ou libertaires qui vont aussi s'en prendre à Lénine. Donc, c'est ce grand basculement-là qui était commencé à la fin des années 70 qui devient, comment dire, il y a un effet boule de neige après la chute de l'URSS et du coup, le livre noir, c'est un peu le couronnement de tout ce processus. Sachant que où il y a un aspect très politique, c'est que le bouquin, il est sorti en novembre 97. C'est-à-dire qu'il est sorti exactement pour le 80e anniversaire de la Révolution d'octobre. Donc là, je ne cherche pas à attribuer des volontés particulières aux uns ou aux autres, mais là, il y en avait bien une, et le coup éditorial était basé là-dessus. Ensuite, l'autre aspect, et là, qui correspond à une réalité dans le travail des historiens, c'est que en 91, les archives se sont ouvertes. Et que d'un seul coup, il y a des recherches qui étaient totalement impossibles, qui sont devenues possibles. Voilà, c'est tout bêtement ça. Et par extension, alors, honnêtement, autant j'ai potassé la partie soviétique du livre noir, autant j'ai pas forcément lu le reste. Mais indépendamment, du coup, j'ai aucun avis sur les parties sur l'Asie, l'Amérique du Sud, etc. Mais je pense que, y compris l'ouverture des archives soviétiques, ça a dû donner des moyens de connaissance, y compris sur le régime vietnamien et sans doute aussi sur le régime chinois pour une certaine période, parce que le mouvement communiste étant très discipliné, on faisait remonter les archives et que les conseillers soviétiques, ils ne faisaient pas ça pour leur propre compte et donc ils faisaient des rapports. Donc j'imagine, et puis que les archives du Comintern, d'un seul communiste, pareil, elles sont exploitées, alors elles peuvent être exploitées dans différentes directions, mais voilà, il y avait tout ce continent archivistique qui était neuf, quoi. Donc il y a ça. Ensuite, sur les réponses. Alors, les réponses, de réponses un peu globales et académiques, il y en a eu une, c'est un bouquin qui est sorti 2, 3 ans plus tard, qui s'appelle Le siècle des communismes, qui est en poche maintenant. Alors, qui est un très bon bouquin, comment dire, qui balaye le même, c'est le mouvement communiste à l'échelle mondiale, donc aussi bien les partis que les États, et ça tout au long du XXe siècle. Le parti pris du bouquin, il est dans le titre, Le siècle des communismes, c'est-à-dire que le livre noir du communisme, et donc c'est l'idée d'un invariant, donc non seulement l'Union soviétique, ça a été exactement la même chose du premier jour au dernier jour, mais Mao, Pol Pot, Ho Chi Minh, Castro, Che Guevara, tout ça c'est pareil. Le siècle des communismes, c'est au contraire le parti pris de dire pop, pop, pop. Pas du tout. Et alors d'ailleurs, du coup, ils font appel à une équipe plus nombreuse, si mes souvenirs sont exacts, avec des spécialistes de tel ou tel point. Et du coup, un peu dans cet esprit de l'histoire sociale telle qu'elle s'était développée aux États-Unis en réponse au schéma totalitaire, on va essayer de mettre en valeur justement tout ce qui ne rentre pas dans le schéma totalitaire et de montrer que du coup, il y a bien une société, qu'il y a bien un rapport entre ces partis communistes et la société dans laquelle ils agissent, et même entre ces États communistes et la société dans laquelle ils agissent. Donc, je dirais que d'un point de vue historiographique, c'est un très bon bouquin. Le truc, c'est que le livre noir, donc, ils sortent en novembre 97 et ils savent ce qu'ils font et Courtois sait ce qu'il fait. Il n'y a pas eu de réponse de ce type-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une réponse purement académique et qui noie un peu le poisson en disant, hop, 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 vous dites le communisme est criminel. Nous, on vous répond qu'il n'y a pas de communisme, mais des communismes. Ce qui est peut-être vrai, mais qui est quand même un peu une façon d'esquiver la question. Mais là, pour le coup, à mon avis, ça reflète une situation politique où il n'y avait personne pour,
dirais, à gauche et même très à gauche, ayant et la stature des Courtois et compagnie pour intervenir un peu sur le même, sur le, comment dire, au même niveau, quoi. Voilà. Alors à côté de ça, il y a eu des réponses, strictement militantes ou intellectuelles. Alors moi, au Livre Noir, d'ailleurs, c'était plutôt le passé d'une illusion de Furet qui avait fait l'objet d'un certain nombre de réponses. Je pense entre autres à Henri Mahler, qui avait coécrit avec Denis Berger un bouquin qui s'appelait Une certaine idée du communisme, en réponse à Furet. Mais c'était déjà le même type d'argument qu'on pourrait opposer ensuite au Livre Noir, d'ailleurs. Et alors, pour compléter quand même sur les questions de la violence, les gens qui ont collaboré à ce siècle des communismes, bon, il n'y avait pas que des Français, et y compris d'ailleurs de ce point de vue-là, c'était une différence par rapport au Livre Noir, qui était assez exclusivement franco-français, si mes souvenirs sont exacts, ce qui reflétait aussi le fait que le débat en France était beaucoup plus... refermé qu'ailleurs. Et pourquoi je disais ça? Ça y est, du coup, j'ai perdu mon idée. Eh, tant pis, j'ai perdu mon idée. Oui, voilà, que sur la violence, il y a eu beaucoup de travaux, merci, beaucoup de travaux intéressants, alors qui ne sont pas sur le versant, je dirais, réponse politique, mais dans le monde anglo-saxon, il y a eu des trucs très intéressants. Alors, il y a un bouquin qui a été traduit en français de Arnaud J. Mayer, qui s'appelle « Les Furies », et où il fait une comparaison entre la Révolution russe et la Révolution française. Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le passage des sociétés d'Ancien Régime à la modernité, mais aussi sur le génocide des Juifs, mais tout ça dans le cadre de comment on peut expliquer ça par rapport à une Europe qui en 200 ans, etc., etc., a subi de violents bouleversements. Et du coup, c'est sans doute lui qui s'est le plus approché d'une réponse à la fois d'historien, mais qui est en même temps une réponse, je dirais, utilisable politiquement, sur le fait que révolution et contre-révolution, ça fonctionne ensemble. Et du coup, lui, il accorde de l'intérêt à la contre-révolution en disant « faut être deux pour jouer ». Et donc, s'il y a eu violence révolutionnaire, c'est qu'il y avait violence contre-révolutionnaire. Et ça, il le déploie en parallèle sur la Révolution française, parce que c'est un bouquin qui est sorti... Ben, voilà, c'est quelqu'un qui avait suivi ce qui s'était dit au moment du bicentenaire où, paradoxalement, on avait quand même beaucoup parlé de la Vendée. Où il tient justement le parallèle. Voilà. Autrement, il y a un historien, j'ai oublié sa nationalité, mais qui s'appelle Pete, je crois qu'il est américain, Peter Holquist, qui participe au siècle des communismes, qui lui a fait une étude de cas sur une région de Russie. Et le titre de son bouquin dit tout, c'est 1914-1921, le continuum russe de crise. Et où du coup, il va refuser de prendre 1917 comme une césure et dire, et ça pour le coup, historiographiquement, c'est très juste, que les phénomènes qu'on voit se développer après 17, c'est des phénomènes qui existent déjà avant. Je donne quelques exemples. En 1915, l'armée tsariste va déporter des dizaines de milliers de juifs de Galicie parce qu'ils parlent yiddish, ça ressemble à de l'allemand. Et donc, on déporte des gens sur critères ethniques. Auparavant, on a spolié des Allemands de nationalité russe sur critères ethniques. Et tout ça avec les moyens de l'État. Donc ça, c'est sur le fait de pouvoir déporter des gens par décision d'État du jour au lendemain, ce qui ne se passe pas d'ailleurs pendant la guerre civile en tant que telle, mais plutôt plus tard. Les réquisitions de blé, elles sont projetées dès l'hiver 1916, parce que de toute façon, le problème, il est le même pour tout le monde. Les hommes sont au front, la productivité de l'agriculture se pète la gueule, et il faut nourrir et l'armée et les villes comme on fait. Et donc, il y a tout un courant comme ça, qui montre que ce qui est habituellement imputé aux bolcheviques, c'est des pratiques de coercition qui existaient avant. La différence étant que les bolcheviques sont les seuls à avoir été capables de créer un appareil efficace. Et donc, grosso modo, quand les autres essayaient de le faire, ils n'y arrivaient pas parce qu'ils n'avaient pas de soutien. Alors, pas de soutien populaire,
qu'on me comprenne bien quand je dis ça. Pas de soutien populaire, ça veut pas dire que tout, avoir un soutien populaire, ça veut pas dire que tout le monde vous soutient. Mais ça veut dire qu'il y a assez, que vous avez assez de gens à vous soutenir pour avoir déjà des gens qui viennent chez vous en disant je veux en être, je veux vous aider, et puis des gens qui vont dire bah si ils ont raison, etc., etc. Bah, que grosso modo les autres forces n'avaient ni la cohésion organisationnelle, ni le soutien qu'avaient les bolcheviks, et que du coup, tout le monde a essayé d'utiliser à peu près les mêmes méthodes de commandement administré, et y compris de lutte à mort contre des gens considérés comme des ennemis, mais que seuls les bolcheviks ont réussi à le faire, et que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont gagné, ce qui est un peu une napalissade, mais une napalissade qu'on a quelque part oubliée à travers le livre noir, où là, grosso modo, c'est des gens qui seraient arrivés au pouvoir avec comme unique objectif de réprimer. Non, la répression, c'est un moyen pour un but. Alors, moi, je suis plus dans le secondaire depuis 2011, donc je passerai la parole à Philippe pour la partie contemporaine, parce qu'on en a un peu parlé avant de venir. Comment dire, globalement, les programmes scolaires, ils suivent l'historiographie avec un décalage de 5-10 ans. Voilà, moi quand j'étais gamin, j'étais en troisième en 80, ce que je disais avant qu'on vienne, je me souviens de mon prof d'histoire géo qui m'a envoyé au CDI avec quelques camarades et on a passé une heure à faire l'exégèse d'un extrait de Que faire et d'un extrait de l'État et la Révolution de Lénine. En même temps, donc ça c'était fin des années 70, donc c'était justement l'effet du cinquantenaire unanimiste dont j'avais parlé, ça paraissait très radical. Le problème, c'est que la révolution russe, c'était un truc qui n'avait rien à voir avec le reste. C'est-à-dire qu'on voyait la guerre 14-18 en France. On voyait y compris qu'il y avait eu des mouvements sociaux à la fin, pour autant que je me souvienne, mais pas beaucoup. Le fait qu'il y ait eu une révolution en Allemagne, une révolution en Hongrie, en Finlande, etc. Alors là, ça n'existait pas. Donc du coup, c'est ça qui faisait d'ailleurs que la révolution russe pouvait être traitée, mais que ce n'était pas un objet sensible. C'est que la révolution russe, ça concernait les Russes. Et que, à part des gauchistes invétérés, personne ne pouvait penser en France dans les années 60-70 que ça avait une quelconque actualité, et y compris d'ailleurs le PC ne le disait pas non plus. Donc ça, c'était la configuration. Ensuite, dans les années 80, la révolution russe a reculé, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a eu la période d'enthousiasme autour de la perestroïka a un peu réanimé l'intérêt pour la révolution russe au début des années 90, mais toujours avec un peu de décalage. Au fur et à mesure, donc je crois que les premiers programmes qu'on pris en compte, entre guillemets, le livre noir, ça doit être 2001 de mémoire, où là, d'un seul coup, au collège, la révolution russe en tant que telle a disparu. Par contre, est apparu, et c'est là où on a un peu l'impression d'aller de Caliban Sylla, est apparu un chapitre spécial sur la fin de la guerre 14-18, et où d'un seul coup, on reconnaissait enfin qu'il y avait eu des mouvements sociaux dans toute l'Europe. Et entre autres, avec une carte, je me souviens, il y avait une faucille et un marteau, ça voulait dire insurrection communiste, et un point levé, ça voulait dire une vague de grève. Sauf qu'il y en avait partout, d'ailleurs. Et du coup, moi, en tant qu'enseignant du secondaire, je faisais la révolution russe dans ce cadre-là, et on voyait réapparaître l'URSS comme exemple du totalitarisme, mais... Encore une fois, comme il y avait ce chapitre sur la sortie de la guerre, il y avait moyen de moyenner, je vais dire. Au lycée, c'était, dans mon souvenir, un petit peu plus compliqué, parce qu'avec le découpage des années, et y compris les définitions sur la guerre 14-18, je crois me souvenir que c'était un petit peu plus difficile de se faufiler, d'arriver quand même à faire la révolution russe. Et surtout, alors c'est là où le totalitarisme, c'est un truc merveilleux pour l'enseignement, c'est que c'est, comment dire, on fait un tableau à trois colonnes, il y a parti unique, culte du chef, et puis vous avez une première colonne URSS, une deuxième colonne Allemagne nazie, et les gamins ils doivent mettre des croix. Si c'est pas la preuve que c'était comme ça. Voilà. Clairement, c'était verrouillé de telle façon que
C'était, j'allais dire, un peu difficile d'en sortir. Par contre, moi, j'ai des souvenirs, j'ai le souvenir d'un truc dont j'étais assez content, en terminale, sur la guerre froide, où il y avait tout un truc sur le modèle soviétique face au modèle américain. Et du coup, je montrais aux élèves les premières minutes de ces temps de malheur, où en fait, quand on le regarde indépendamment du reste, il faut arrêter au moment où on voit apparaître la silhouette de Marilyn Monroe. On voit une famille américaine avec sa bagnole, son frigo et tout ça. Et en face, j'avais trouvé un film soviétique qui s'appelle, je crois que c'est Un été généreux du début des années 50, une histoire d'amour au kolkhoz. Mais où là, c'est la scène de conclusion où on voit l'émulation des kolkhoziens pour récolter. Puis ensuite, tout le monde qui part à la grande foire agricole où les gens peuvent se procurer des habits d'ailleurs. Ça, c'est un petit plan comme ça qu'on ne peut pas comprendre si on le regarde trop vite. Et où là, j'arrivais à remettre des trucs en place sur c'est quoi la différence, la propriété privée, etc. Mais c'était un peu difficile. Et sur la période contemporaine. Oui, rapidement sur la situation, prendre les programmes de première, puisque c'est abordé essentiellement en première, essentiellement, puisque on peut éventuellement un tout petit peu en parler en terminale aussi. En première, on a un chapitre sur la Première Guerre mondiale qui est uniquement vu comme donc c'est la guerre totale, donc on doit montrer que c'est une guerre totale. On peut éventuellement parler des sorties de guerre, mais ce n'est pas vraiment prévu par le programme. Et autrement, donc c'est dans un thème sur la guerre, on doit comparer les guerres au XXe siècle. Et autrement, l'URSS est uniquement abordé sous l'angle du totalitarisme dans un thème sur le siècle des totalitarismes, avec donc un chapitre sur la genèse et l'affirmation des régimes totalitaires, où très souvent, si on prend les manuels scolaires, on va retrouver une double page sur la Révolution russe, où bien souvent les auteurs ont eu du mal à trouver des questions leur permettant de montrer à partir des documents qu'il y a un totalitarisme en Russie à cette époque-là. Mais bon, ils essayent quand même de le faire, puisque c'est le programme. Et ensuite, on peut éventuellement parler dans le cours sur la guerre froide, puisqu'on parle des différents modèles, et il y a un chapitre sur la sortie des régimes totalitaires. Mais dans le programme initial, il était prévu de parler de la déstalinisation, mais ça a été supprimé puisque les programmes étaient vus comme trop longs. Donc la sortie du régime totalitaire est reportée aux années 80, ce qui pose aussi des questions historiographiques assez importantes. Je disais qu'on pouvait éventuellement en reparler en terminale, puisque un des chapitres du programme de terminale porte sur une vaste question sur le socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne, de la fin du 19e siècle à nos jours. Et évidemment, du coup, on est obligé de remettre les événements révolutionnaires de l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale, au début des années 20, dans la perspective d'une révolution mondiale. Ce qui fait qu'en général, les élèves sont assez perdus, puisque dans les programmes précédents, on ne leur a pas vraiment parlé de cette révolution qui touche toute l'Europe à cette époque-là. Sur le côté enseignement-éducation, j'aurais quand même rajouté une chose, c'est que ensuite, faut pas être naïf. Le fait que les programmes soient comme ça, c'est assez logique. Alors c'est assez logique à tout un tas de niveaux. Il y a une logique institutionnelle. Ce qui est devenu le nouveau courant universitaire doit finir par s'imposer dans le secondaire. Ça, c'est une chose. Il y a une logique politique aussi qui est assez évidente. Moi, presque plus que le destin de la Révolution russe, le truc qui m'avait choqué, c'est que la crise économique de 1929 a été retirée des programmes en 2008. J'avais trouvé ça génial. Et donc, j'avais pris une classe de première à la rentrée 2008. Et je leur avais dit, je ne dois pas vous en parler, surtout pas. Donc voilà, donc, là, il y a des choses qui se comprennent toutes seules. Ensuite, ce n'est pas non plus nouveau. Quelque chose que j'ai un petit peu touché dans mon bouquin, mais pas suffisamment parce que ça aurait nécessité un autre type de recherche, c'est que ce type d'événement-là, c'est quand même essentiellement une transmission militante qui a permis de faire passer quelque chose là-dessus. De même pour la Commune de Paris. Hein. La Commune de Paris, c'est dommage. À part la Révolution française, toutes les révolutions, elles tombent toujours, quand on regarde les programmations, c'est genre fin juin. Ah, mais c'est dommage, on n'a pas le temps. Mais
Dans le cas de la Commune de Paris, ben, clairement, c'était quelque chose qui était transmis dans le mouvement ouvrier, syndical, politique, etc. Révolution russe, pareil. Et par exemple, le PC, dans, on va dire, du milieu des années 20, à partir du milieu des années 20, a bénéficié de traductions d'ouvrages soviétiques, donc dans le cadre de l'international communiste. Sachant que du côté soviétique, il y avait un travail mémoriel énorme qui a été fourni justement de 1920 à 1932-33. C'est-à-dire il y avait des instituts spéciaux d'histoire du parti et de la révolution qui ont été créés dans toute l'Union soviétique. Et donc, pour collecter les témoignages de participants, etc. Et toute une partie de cette. Donc, il y avait des revues spécialisées en Union soviétique. Et une partie de ces témoignages-là était traduite dans l'appareil de l'international communiste. Et par exemple, les traducteurs en français, c'était souvent ces communistes français vivant en URSS, type Pierre Pascal, Victor Serge, etc. Et donc, il y a eu publication comme ça de tout un tas de bouquins, alors des mémoires, des histoires. Alors évidemment, très rapidement, quasiment même dès le début, c'est biaisé en fonction de ce qui se passe en URSS. Et par exemple, le premier numéro de la revue théorique du PC en France, qui s'appelait Les Cahiers du bolchevisme, paraît en 1925, et il y a un gros dossier intitulé Comment ne pas écrire l'histoire d'octobre. Et en fait, c'est les débats soviétiques. Trotsky vient de publier une brochure qui s'appelle Les Leçons d'octobre. Et du coup, dans tout le mouvement communiste international, alors même que le texte de Trotsky n'a pas été traduit ou pas traduit en entier, tout le monde doit dire, c'est pas comme ça qu'il faut écrire les leçons d'octobre. Donc ça veut dire que ça part mal, mais en même temps, quantitativement et dans le cas des témoignages, il y a une autocensure. J'ai travaillé un peu sur ces instituts d'histoire du parti. Clairement, les gens qui écrivent s'autocensurent, mais ils ne s'autocensurent pas d'ailleurs dans un cadre je suis stalinien contre les trotskistes, ou c'est pas dans ce cadre-là du tout. C'est plutôt que voilà, ils estiment qu'on ne doit pas dire n'importe quoi sur la révolution, qu'on doit en parler sérieusement. Donc il y a une componction qui arrive assez tôt. Il n'empêche que tout ça circule et que ça s'est traduit en français très rapidement. Et que, alors, moi, ce que je peux voir, c'est ce qui a été traduit. Et ensuite, il y a l'appropriation. Et ça, moi, je sais qu'en présentant mon bouquin, ou par exemple, je dis que sur 68, à mon sens, il ne s'est pas passé grand-chose, dans le sens où, y compris dans les groupes politiques, il n'y a pas eu, la plupart du temps, ils republiaient des textes anciens, etc. Mais où quelqu'un me disait très justement, oui, mais moi, je me souviens, on en parlait, et pour nous, dans notre groupe, c'était un truc, c'était à nous, etc. Et je pense que c'est aussi vrai pour le PC. Alors, avec tout un tas d'autres choses qui font interférence. Mais voilà, donc clairement, le fait que la révolution russe fasse sans doute plus débat en France qu'ailleurs, c'est l'effet du fait qu'il y a eu une transmission militante autour de la révolution russe, plus qu'il y en a eu dans d'autres pays. Voilà. Alors, les photographes de l'illustration, je ne sais pas, mais justement, tout récemment, j'ai lu un truc là-dessus. Ah ben oui, c'est qu'il y a eu un très bel album que je conseille. Aïe, aïe, est-ce que je vais retrouver le nom? Lefebvre. Voilà, son auteur, c'est Lefebvre. C'est quelqu'un qui travaille au Monde et qui est un collectionneur compulsif et qui a sorti un album superbe sur la Révolution dans une petite maison d'édition qui s'appelle Otium. Et où du coup, lui, il a vraiment travaillé, comme c'est un collectionneur de photos, il a vraiment travaillé cet aspect. En fait, c'est les photographes, comme ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire des gens qui avaient un atelier où les gens se venaient se faire tirer le portrait. Ben, une autre source de revenus, et qui existait d'ailleurs aussi en France, quand vous êtes photographe, c'est de faire de la carte postale. Parce que comme ça, vous pouvez vendre vos clichés. Et je crois que c'est Anne Steiner qui a fait toute une série de bouquins sur le mouvement ouvrier en France avant 14, qu'on a aussi fait un spécialement sur les cartes postales françaises représentant des mouvements sociaux. Ce qui est un truc aujourd'hui, ça fait bizarre. C'est-à-dire que les grèves de Draveil et la fusillade de Villeneuve-Saint-Georges, on a des cartes postales d'époque. Et ben,
dans le cadre de la Révolution russe, c'est pareil. C'est des photographes professionnels qui descendent leurs appareils pour continuer à faire leur boulot. Et alors, par contre, en termes de diffusion, donc il y a l'illustration en France. En dehors de, alors déjà, ça prend vachement de temps. Donc il y a énorme, il y a un décalage. Et il y a des trucs. Alors, comment dire? Michel, voilà, c'est ça son prénom. Michel Lefebvre disait qu'il avait trouvé pas mal de photos, par exemple dans les fonds des grands journaux, mais ça ne veut pas dire qu'elles avaient été beaucoup diffusées à l'époque, en fait. C'est-à-dire que par ce même circuit des agences de presse, il y avait des photos qui circulaient, mais ensuite ce qu'elles devenaient, et puis elles étaient publiées une fois, et ensuite tout le monde oubliait, quoi. C'est aussi ça. C'est-à-dire que là, je crois que c'est des choses sur lesquelles il y a eu un effet, j'aurais envie de dire grosso modo, en France à partir de 67, de redécouverte. Et entre autres, en 67, il y avait un documentariste très célèbre à l'époque, Rossif, qui est, alors, moi j'ai connu petit parce qu'il faisait une émission animalière, qui avait fait un documentaire dont tout le monde a quasiment dit du bien à l'époque. Mais qui visiblement jouait vachement sur le côté image d'époque, alors qui était d'ailleurs pas toujours d'époque, parce que c'est le fameux truc que encore aujourd'hui on trouve des bouquins où des photogrammes de Octobre d'Eisenstein, film de 1927, sont utilisés comme représentation de la révolution d'octobre 1917. Et donc Rossif, visiblement, il y avait tout un jeu là-dessus, mais c'était un moment de redécouverte des archives en URSS aussi d'ailleurs. Des archives visuelles. Voilà, vaste question, sans rapport avec les nouveaux philosophes qui, eux, étaient en train comment dire, de jeter leur gourme d'ex-68ards pour retrouver le sérail, l'exposition médiatique, etc. Alors, comment dire, lors d'un de mes derniers séjours là-bas, par exemple, j'ai découvert un bouquiniste que je ne connaissais pas à Kharkov, qui est une des deux villes où je vais le plus souvent, et où je suis tombé comme ça sur une biographie de Stirner, éditée par une maison d'édition privée à Petrograd en 1920 ou 21. Ce qui est intéressant parce que du coup, on voit d'une part que des maisons d'édition privées, il y en a eu jusqu'en 1929, et que l'anarchisme, en tout cas d'un point de vue culturel, était l'objet d'aucun interdit facilement jusqu'à la fin des années 20. Ensuite, le problème de l'anarchisme en Russie, et ça c'est un truc souvent dont on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait l'anarchisme est arrivé très tard en Russie, c'est-à-dire pas avant 1904. Alors c'est ce que dit Guillaume Davranche dans le dossier que je conseillais d'Alternative Libertaire. Moi j'aurais même dit un peu plus tard, 1905-1906. Et c'est là où il y a un paradoxe intéressant, c'est que quelqu'un qui connaît un peu l'anarchisme, alors ok, il y a la racine allemande avec Stirner, mais on pensera quand même surtout, et Proudhon, mais on pensera autrement surtout à Bakounine et Kropotkine. Le problème, c'est que Bakounine et Kropotkine deviennent anarchistes en exil. Et qu'en fait, comme ma thèse c'était sur les communes, et que les communes ça apparaît en première approche comme plutôt un truc anard, je m'étais intéressé à la question. Par exemple, Kropotkine a été publié en russe, mais c'est une traduction de l'anglais ou du français. Ce n'est pas des textes qu'il a écrits en russe. Et quant à Bakounine, alors lui, je crois qu'il écrit, il y a toute une partie des choses qu'il a écrites en russe, mais pareil, ça a été publié extrêmement tardivement. Et d'autant plus que la séparation de l'anarchisme avec les autres courants révolutionnaires, c'est par là même, elle s'est faite aussi, c'est-à-dire, comment dire, jusque dans les années 1880, on ne parle pas d'anarchiste, on parle de socialiste libertaire. Et en Russie, c'est à peu près la même situation, peut-être même moins le terme libertaire, jusqu'en 1904, 1905, 1906. Voilà. Donc il y a une influence de fait, c'est-à-dire que, comment dire, mais presque, j'aurais presque envie de dire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de libertaires qui, dès 1905, vont voir dans les événements de Russie
la confirmation de ce que eux veulent. Un peu comme Rosa Luxembourg va se servir des événements de Russie pour essayer de secouer le Parti social-démocrate allemand en leur disant « mais attendez, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas en attendant les prochaines élections, quoi. » Donc je pense que c'est presque plus dans ce sens-là que ça se passe. Ensuite, très clairement, à partir de l'après 1905, l'anarchisme se diffuse en Russie. Alors, il va se diffuser assez rapidement jusqu'en 1907-1908, sauf qu'ensuite, il y a toute une période de réaction, de répression qui fait que ça recule très rapidement et que, par exemple, ces maximalistes, cette espèce de frange anarchisante des socialistes révolutionnaires, alors qui, eux, vont faire des attentats aveugles, ils vont faire sauter la datcha du Premier ministre, mais ça va faire 20 morts quand même, hein, tellement ils ont mis de dynamite. Mais sauf qu'ensuite, ils sont pourchassés et le mouvement disparaît quasiment totalement jusqu'en 1917. Et le mouvement réapparaît largement en 1917, j'allais dire à partir de rien, à partir de militants qui ont eu leur petit cheminement. La plupart du temps, c'est des gens qui étaient plutôt, avant l'anarchisme, passés par le mouvement populiste au sens de l'époque, c'est-à-dire ces socialistes révolutionnaires qui n'étaient pas marxistes. Voilà, c'est un peu ça le cheminement. Et ensuite, bah, dans le cadre du bouillonnement qu'il y a dans les 17, bah oui, on s'intéresse à Bakounine, à Kropotkine, à Marx. Et clairement, cette biographie de Stirner que j'ai trouvée, c'est dans une série de biographies de penseurs. Et on ne se rend pas compte à quel point, à partir de 1917, j'aurais envie de dire jusqu'en 1927, il y a une soif culturelle en Russie, puis en URSS, qui fait que tout ce qui apparaît comme symbole de modernité et de progrès au niveau intellectuel, scientifique et technique, est désiré. Autre exemple qui n'a rien à voir, mais qui montre bien, le best-seller en Russie soviétique dans les années 20, c'est l'autobiographie d'Henry Ford. Voilà. Alors qu'Henry Ford est un grand patron, en plus, qui par la suite a eu plus que des sympathies d'extrême droite, mais n'empêche que c'est la modernité, le taylorisme est à la mode. C'est-à-dire, il y a tout un mouvement artistique qui se revendique du taylorisme. C'est-à-dire tout le mouvement de la culture prolétarienne qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on appellera le réalisme socialiste sous Staline, c'est animé par un type qui est ouvrier, bolchevique, poète et partisan du taylorisme et qui fait, quand il fait des tournées, il fait des conférences sur l'art et sur le taylorisme. C'est-à-dire qu'il considère que travailler à l'usine d'une façon taylorienne, c'est un des modes d'affirmation de la classe ouvrière. Voilà. Donc, pour dire un peu... Pas. Non, je l'ai dit, mais je le redis, pour un journaliste français, tenter de faire la différence entre un menchevique, un bolchevique et un anarchiste, est-ce que c'est comme si moi on me demandait de faire la différence entre quelqu'un d'Al-Qaïda et quelqu'un de Daesh? Y en a sûrement une, mais de mon point de vue, elle est faible. Voilà. Ben, pour les journalistes de l'époque, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les bolcheviks sont des anarchistes. Encore une fois, le correspondant de l'Humanité, qui est russe et marxiste, parle des anarcho-léninistes. Voilà. C'est ni plus ni moins. Donc, ce type-là, qui parle la langue et qui connaît les mouvements politiques du pays, parle d'anarcho-léninistes, imaginez ce que peut écrire ou penser surtout un journaliste du matin qui considère que même les socialistes du nom sacré restent des gens suspects. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et à ma connaissance, il n'y a pas... Et ça marche dans les deux sens. Hein. Moi, j'ai un peu travaillé sur un militant français internationaliste, donc, qui était un cégétiste d'avant 14, syndicaliste révolutionnaire. Donc, il sympathisait... Enfin, comment dire, il s'est séparé des anarchistes
justement à l'occasion de la Révolution russe, alors qu'il était devenu très proche pendant la guerre, mais ça reste quand même des milieux très très proches, je dirais, au moins jusqu'en 1920. Voilà, c'est parce qu'ils ont à peu près les mêmes ennemis et que, à part ceux qui sont dans le milieu, personne ne voit la différence, quoi. On doit rendre la salle à 21 h, donc on va arrêter là les questions. Merci beaucoup à tous et merci surtout à Eric Honoble.